Attends. Attends. Merde. Mais j'ai des bombes, je m'en fous de faire ça, non? Mais bon. Tu peux sauver sur les piliers de glace en construction si tu veux. Sauter. Et comment ça marche exactement? Parce que j'en ai donné 3 la première fois et j'ai eu un cran d'endurance en plus. Il en faut minimum 3. Un seul ça suffit. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Enfin, comment ça se passe? Ban fleuri. Oh. Même pas mes fleurs, tu leur fais mal juste d'en pleurer. Qu'est-ce qu'elle a? Sanctuaire a changé de couleur, c'est joli, je suis sûr que c'est parce que mes fleurs lui ont fait. Non, c'est pas par rapport à ta foi. Tu donnes pas mes fleurs. Hein. Ouais, oula, oula. Tu vois ça? Hein? Faut des monstres. Je peux marcher sur cette fleur. Oh putain. Ah, ah. Attends, il y a un orage, je veux tester. C'est un peu loupé. Bon, ça a pas fait d'éclair. Oh putain. Okay. Oh la vache. Maintes et maintes fois. Alors pourquoi tu ne veux pas comprendre? Ça te dirait des antidépresseurs? Tu vas connaître. Oléo. Le courroux des fleurs. Oh putain, la folle. Vous êtes mort. T'es sérieux? Oh, ok. Non, c'est bon, je les abîme pas, j'ai compris. Espèce de malade. Tous les X emblèmes Misty, tu as une augmentation. Ah, ok. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Non, ça. Hey. Je sais pas où on va, mais on y va. Non, mais en fait, je sais pas où on va pour de vrai. Là-bas. Non, mais c'est à contre-courant. On s'en fout.
Wow! Je sais pas si c'est... Oh vache. Je sais pas si c'est très logique, mais... Oh là, oh là, qu'est-ce que c'est... Non, 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 non! Bouclier peut-être. Le bouclier. D'accord. C'est violent quand même, hein, de la nature. Là 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 là, y'a un arbre. Change de bouclier, non, j'ai pas envie. C'est tiré dessus. Oh, pute. Il n'y a plus d'orage, tout va bien. Tout va bien. Des chevaux. C'est quoi ça? Un cerf? Un Bambi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Qu'est-ce que c'est? Elle électrique, c'est celle d'une créature peu commune, la chauve-souris électrique. Électrocute au contact, fait cuire avec une grenouille, un insecte. Ah, mais si un me voit, ils vont tous me voir, non? Lui, il m'a pas vu, lui. Oh la vache, il repleut. Oh la vache! Non mais attends! Toi! Viens ici! Putain! Ça va, c'est rien que... la colère des dieux. Ça va, pas grave. Je veux celui-là avec la crinière noire. Oh la vache. Tu vas te prendre une flèche. Arrête Link, arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? Link! Mon dieu. Bordel, ça. Lance. Oh wow. Ça vient de faire quoi?
Ah, genre quand ça charge. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, y a une fée. Il me faut une bouteille. Mais c'est quand même super dangereux dehors. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Attends, on va manger parce que sinon je vais crever. Oh putain. Comment? Pas vraiment le meilleur. Oh la vache, c'est pas vraiment le meilleur moyen de. Ah, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ça? Truffe max, champignon d'une grande valeur à la forte odeur, se développe sous terre. Les préparations qui en contiennent en bloc. Yes, calme-toi. Calme-toi. Ah mais faut appuyer plusieurs fois en fait. Quoi? Aussi reste pas trop près des gardiens en pleine tempête. Ah. Ah mon dieu, non, on est de retour ici. Non, on est de retour ici. Tu me fais chier. Allez, on recommence. Mais faut taper plusieurs fois L ou maintenir en fait. Bon, apparemment, il va pas faire manger. Mash L. Je vais me mettre sur une chèvre, c'est plus facile. Et il y a une fée, je veux récupérer la fée. Viens ici, Bambi. Yes. Bon, c'est pas trop la joie, mais... Allez. Oh. Bambi. Ah Bambi. C'est pas tellement la classe quand même. Hein. Entre un cheval, un cerf et tout ça, on a ça, bon. Bon, on aurait pu tomber sur une chèvre. Oh, calme-toi. On aurait pu tomber sur une chèvre, mais...
pour rien. Non, non, oh, mon Dieu. Un boomerang les ales, cette épée à la lame tordue, très appréciée des les faux, peut être utilisée aussi bien en corps à corps qu'en arme de jet. Ah, c'est bien ça. Ça va, mec? C'est horrible. C'est horrible quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Fleur silencio. Cette plante fleurit dans les forêts, les prairies la nuit venue, émet une faible lueur, utilise-la comme ingrédient. Est-ce qu'il y a un autre ennemi? Ah ouais, non mais ça va revenir. Allô la foudre. Yes. Je suis Thor. Putain, mais je te fais pas de dégâts en fait. Viscère de Bokoblin. Cet organe de Bokoblin, ce qui semble être animé d'une volonté propre, est un matériau rare et peut un peu. C'est un peu dégoûtant, c'est vrai, mais vous trouvez sûrement une utilité. Quoi ça? Ah! C'est bon, on vous a sauvé. Putain, mais c'est le déluge. Ça peut pas s'arrêter 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient d'avoir été attaqué par un monstre. Et puis plus rien. Nous voyons tous les deux à la recherche d'une fleur appelée Princesse de la Sérénité. Je suis tout à fait conscient du danger que représentent les monstres, mais j'ai insisté pour suivre mon mari. Je suis convaincu qu'ensemble, lui et moi, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle. Hey John, j'ai sauvé ta copine. La légende de ceux qui jurent fidélité sur cette fleur vivent un bonheur éternel, mais nous trompons pas. Ah. Bon. Bon, on la cherchera à l'occasion. Eh, moi je me cache aussi. Je peux rester avec ta femme. C'est dangereux dehors. C'est la même chose pour les monstres. Okay. Ah, ce que je voudrais faire, c'est du... C'est du feu, en fait. Enfin, je suis sûr que je peux faire du feu avec la foudre. En fait. Mais je voudrais utiliser le silex. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec du bois. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment on fait du feu? Ah oui, frapper une arme en métal. Ok. Ah d'accord, donc faut poser les deux.
Et après taper dedans? Ah d'accord, j'aurais pu... En fait, j'avais pas besoin de faire... Là, j'en ai fait deux de feu, en fait. Ok, d'accord, je comprends comment ça marche. Ok. Sympa. Resteur de la chose d'endurance. Ça, ça peut être utile quand on... Quand on grimpe, en fait. J'ai de la viande sur moi. J'ai pas de viande. C'est quoi sa fleur? On va mettre ça. Ah, j'ai mis deux poissons, merde. Ah, poisson vapeur. C'est super amusant en fait de faire de la nourriture dans le jeu. Ouh, tuner le fruit pic-pic. Améliore la résistance au froid. Pendant 4 minutes et 20 secondes. On va mettre une grenouille. Ils avaient dit quoi? Ils parlaient pour préparer des remèdes. Parce que j'ai des grenouilles, alors faudrait mélanger quoi? Grenouille, insecte ou un lézard pour en faire un remède. Remède tempo. Ce remède niveau 1 augmente la vitesse du déplacement. Il suffit de boire pour courir, grimper, nager plus vite. Oh. Remède Vitalis. Ce puissant remède remplit la jauge d'endurance et en confère une seconde. Cette dernière disparaît aussitôt utilisée. Waouh. Yeah. Une gelée avec un plat à tenter. Une gelée. Déjà, on va voir ça. Ah, ah, ah. Un bon plat douteux. Ah, par contre, un silex et un feu. D'accord. Thank you.
Remède électro, propriété isolante sur remède niveau 1, protégeant celui de... que... Protégeant celui qui le boit des décharges électriques. Voilà, ça fait beaucoup d'ingrédients là. Oh. 9 minutes 50 le remède. Non. Bon bah voilà, c'est bien. Et ben voilà. On s'était arrêté là. Alors ce qui s'était passé, c'est que il y avait eu un orage du tonnerre. Et ça, c'est, faut vraiment le dire, parce qu'il y avait des éclairs de tous les côtés. On est mort. On a été foudroyé quelques fois. C'était marrant. On a appris à maîtriser dans un sens la foudre, à balancer nos armes en métal sur les ennemis. C'était plutôt cool. C'était vraiment sympa. Et on a sauvé un couple. Un couple qui a disparu. Ouais, qui a complètement disparu. Eh oh, les gens. Et on avait fait de la nourriture. On avait fait de la nourriture, je crois. Ouais, on a beaucoup de nourriture, donc on va arrêter d'en faire pendant un moment. Parce qu'on a quand même pas mal de choses. J'ai pas envie de passer mon temps à faire que ça. Nous avons des nouvelles armes qu'on n'a pas pu tester parce que c'était du métal. Alors, on peut taper avec et on peut... Est-ce que ça revient? C'est un boomerang, donc... Ah merde. Ah, faut le rattraper en plus. Faut le rattraper manuellement, d'accord. Ça tue! C'est terrible! Ah, c'est trop bien ce jeu. Herbe d'Hyrule, ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule utilisées comme ingrédient, elles permettent de réparation de restaurer le cœur. Parfait. Vous me dites hein, si le son est bon, mais normalement il n'y a pas eu de changement, le son doit être bon. Ah tiens, on pourrait récupérer une chèvre. Oh merde. Ah, elle m'a pas vu. Elle m'a vu. Alors, notre destination est là. Ah, on a complètement dévié en fait. Intéressant. Bon, ben ça doit pas être si loin que ça en fait, au final. On parle au mec. Yo! Eh! Trao, parce que moi je vais au relais de la rivière du sud-ouest. Si tu continues vers sud-est, t'arriveras au village de Cocorico. Si t'as une carte, tu peux vérifier, je mens pas. L'arc. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, what? Ça a pas l'air très commode. Ça a pas l'air très gentil. Allons voir. Bonjour. On dirait les fantômes de Ganondorf dans Ocarina of Time. Bonjour.
Ah, t'es une saloperie donc. Ah, fallait pas me faire chier. Hein. Baguette électrique, hein, les éclairs des collines. Alors, des éclairs des collines d'Hyrule auraient été emprisonnés dans l'orbe de cette baguette magique qui lance des charges d'électricité. Ce n'est pas adapté pour combat rapproché. D'accord, ça marche. On va la garder de côté. J'aime bien le boomerang. Le boomerang est cool. Le boomerang est plutôt cool. Oh, il y a quelque chose là-bas. Ah, il y a des grenouilles. On peut les attraper, les grenouilles ? Ouais, il faut vraiment leur tirer dessus, les tuer. Ah là! C'est quoi ça? Mais t'es quoi? Ah! Nom d'une feuille, tu m'as trouvé! Et le 3. Allez, à plus tard. Donc ça, c'est des chevaux. C'est à manger. Oh, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut le monter? Ah, on peut peut-être le monter. Il y a des hommes lézards. Ah, c'est vraiment des hommes lézards en fait. Enfin, des lézards quoi. Que fait-il? Il boit. Surprendre! Ah, on l'a one shot. Corne de l'isalfo. Cette corne coriace ne peut être utilisée en cuisine, mais la cuire permet d'obtenir un remède. Ah, c'est pourquoi on vous la rachètera volontiers au magasin. Arc lézard, cet arc en bois fabriqué par un lézard à partir d'arêtes de grands poissons. Est plus puissant qu'un arc en bois standard. Ça pas trop de chance. Griffe qui pousse sur les coudes des lézards. Des lézalfos. Je vais avoir du mal avec ça, désolé, je sais pas pourquoi. Peut-être cuire avec une grenouille ou un sec lézard pour faire une grenade. Ça marche. C'est un remède. Les alphos. Oh, des canards. Merde. Ah ah. Je crois qu'il m'a vu. Attends, je récupère ta flèche. Ha!
Ah. Attends, attends, attends. Yann, ne suis pas plaît. Oh, waouh, hop, oh, oh, ok. M'intéresse pas la Switch. En fait, si, maintenant, si. Il y a pas mal de jeux qui commencent à sortir doucement. Par exemple. Ah mince, j'ai oublié le nom. Octopath. Quelque chose. Octopath Traveler, je crois. C'est une sorte de RPG. Assez old school avec. Je crois que c'est du tour par tour. Ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment bien. Lance les ailes. Il n'est pas rare de voir des lézalfos équipés de cette arme d'Ast. Reconnaissable à son fer de lance irrégulier. Peu solide, elle ne peut malheureusement pas servir longtemps. Ok, ça marche. Il y a un truc détruit là-bas, enfin un village détruit. Sanctuaire de Datakusu. Faites pas attention, hein. Donc ouais, ce jeu a l'air vachement cool. RPG un peu old school comme ça là. Mais il faudrait qu'il y ait plus de choses encore, parce que bon. Faut un peu justifier l'achat d'une console en fait. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Datakusu te met à l'épreuve. Alors, main salvatrice. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça. Ah, mais je crois que c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Faut les prendre. Alors. J'ai encore un peu de mal avec les contrôles. Mais ça va venir. C'est ça là. On en a 3. Après, ce que je pourrais faire, c'est stopper le temps et taper dedans comme un fou. Peut-être que ça l'a fait voler. Je sais pas. Un peu trop sur la... Ah ouais, non, ça va directement tout droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh, oh ya! Ya ya ya! Ok. En fait, non, c'est tout simple. Ok, alors. Ah,
rattrape, je rattrape. D'accord. Link. Link, fais bien les choses quand même. Elle est où l'autre? Voilà. Attends, on va faire casser ça. Doucement, doucement, doucement. On est en construction de chantier. Est-ce qu'on peut faire les trois en même temps? Yes. Ok Link, doucement, doucement, stable, stable, doucement, oh doucement, on monte doucement Link, très bien, on se déplace un peu sur le côté doucement. Maintenant, on les balance. Voilà. Wouh! Bon, il n'y avait pas besoin de mettre les trois, apparemment. J'espère qu'on va pas en avoir besoin des autres. C'est la même chose? J'arrive! J'arrive avec mon pot magique! Ah! C'est quoi ça en bas? Oh! Bingo! Ok, donc ça c'est un... Oh la vache! Ok, là j'ai compris, j'ai compris. C'est un bouton en fait à activer. Ah, non! Bien joué, c'était complètement l'inverse. Stop, 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 stop. Putain, ça va pas marcher. Merde. Yeah. Tada.